matinée sur l'humain et le digital. Qu'est-ce qu'on peut essayer de dire en conclusion de ces travaux? Voilà, le secteur de l'assurance va être impacté, bouleversé par la révolution numérique, c'est une évidence. Il y a plusieurs révolutions qui sont à l'œuvre. Il y a au moins trois révolutions. Il y a la puissance de calcul qui continue de progresser de façon exponentielle. La loi de Moore continue, c'est une loi empirique. Mais effectivement, il y a un doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois, 24 mois. Et ça continue. Les progrès sont impressionnants. Et c'est ça qui permet la révolution numérique, ces progrès dans la puissance de calcul. Deuxième révolution à l'œuvre, il y a une explosion du nombre d'objets connectés. Alors, les chiffres varient. On dit parfois 80 milliards d'objets connectés. Enfin, à la limite, peu importe, mais tout est connecté désormais, tout peut être connecté. Et la dernière révolution qui est à l'œuvre, c'est l'adoption massive du téléphone portable. De tous les humains, quasiment, 80% des humains ont un téléphone portable aujourd'hui, c'est un truc. Voilà, en Inde, en Chine. Donc, ces trois révolutions font la révolution numérique. Et. J'étais en début d'année dans la Silicon Valley, au CES de Las Vegas, avec une délégation de la Fédération. C'est vraiment très impressionnant, les progrès dans la reconnaissance des images, dans la reconnaissance vocale, la lecture sur les lèvres, le suivi des mouvements des yeux. Tout ça, ça va impacter nos métiers, enfin, en termes de sécurité routière, de détection des comportements des utilisateurs. On va en dire un mot. Voilà. Alors, Si on s'intéresse à l'impact sur nos métiers, on peut être optimiste, en fait, parce que la voiture connectée ou la maison connectée, ça peut être une amélioration de la qualité du risque. En matière de sécurité routière, d'abord, il y a des options qui peuvent être plus performantes, le freinage d'urgence, par exemple. Donc la voiture connectée, elle peut être plus sûre. Il y a des progrès, puisqu'on va suivre le comportement du conducteur en temps réel avec un boîtier dans la voiture. Ça permettra de donner des conseils de prévention, d'amélioration de la qualité de conduite, avant d'arriver un jour peut-être à la voiture autonome, mais dans un premier temps à la voiture connectée. Ce que j'ai dit, c'est ces nouveaux équipements de suivi des yeux du conducteur. Bon, mon vieux, vous n'êtes pas en train de regarder la route. Alors, je ne sais pas ce que fait la voiture à ce moment-là. Je ne sais pas si elle lui envoie une décharge pour lui dire... concentre-toi, regarde la route, ou bien si on va se garer, parce que manifestement, tu n'es pas en état de conduire. Mais en tout cas, vraiment, il va y avoir des progrès dans la sécurité, ce qui est forcément une bonne chose pour nous, assureurs, à tout point de vue, en tant qu'assureurs citoyens, ou tout simplement en termes de qualité du risque. Voilà, alors la marche vers la voiture autonome, elle sera progressive, mais ces améliorations dans la sinistralité, elles peuvent être rapides. Et puis, au fond, toutes ces mesures télémétriques peuvent aussi décourager les vols, les vols de voitures, puisque la voiture sera davantage surveillée. Si on parle de la maison connectée, là aussi, il peut y avoir une amélioration de la qualité du risque. Les capteurs dans la maison pour détecter les fuites d'eau plus tôt, détecter les incendies, etc. Là aussi, décourager indirectement les cambriolages. Donc, cette révolution numérique, elle va probablement conduire à une amélioration de la qualité du risque pour nous, les assureurs, et puis en santé, la télémédecine peut conduire aussi à des progrès assez spectaculaires. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que votre matinée était sur l'humain et le digital? Parce que forcément, ça va impacter à la fois nos assurés et nous, nos collaborateurs. Il y a 147 000 personnes qui travaillent dans des entreprises d'assureurs, et puis si on inclut ceux qui gravitent autour de nous, c'est 220 000, cher Norbert. Donc, tous les métiers vont être impactés par ces évolutions qui sont vraiment très, très rapides. Alors, ces révolutions, elles peuvent poser des questions éthiques. Les progrès de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça signifie pour nos personnels qui sont sur des plateformes téléphoniques, qui sont dans le back-office? Est-ce que l'emploi va pouvoir être maintenu avec un enrichissement des compétences, où on va dire aux gens, on va vous faire monter en puissance, en grade, vous allez vous occuper de tâches plus qualifiées, et au fond, les tâches ingrates vont être confiées à l'intelligence artificielle, ou est-ce que ça signifie un risque pour l'emploi? Il faut quand même qu'on affronte cette question honnêtement. Oui, il y a un risque pour l'emploi,
parce que les tâches les plus simples pourront être traitées par des robots. Alors parfois les robots, on leur donne de jolies photos, comme on a vu en début de matinée. On leur donne des noms aimables, et ils nous parleront peut-être d'une voix suave, comme le Alexa d'Amazon. Mais effectivement, ça pose de redoutables défis en termes d'emploi dans le secteur. Bon, cela étant, il peut aussi y avoir des relais de croissance. Si on a des robots dans la maison, il y aura des nouveaux objets à assurer dans la maison. Donc ça peut aussi être un relais de croissance. On parle beaucoup du cyber-risque, qui est un risque sous-estimé aujourd'hui, alors plutôt par les PME ou les entreprises que par les particuliers. Mais là aussi, la révolution numérique peut aussi être source de relais de croissance et à ce moment-là de création d'emplois. Et puis bon, cette révolution numérique, elle crée aussi de nouveaux métiers. Pour analyser la donnée, encore faut-il qu'elle soit nettoyée, dépouillée. Enfin, ça crée aussi de nouveaux emplois. Donc après, la question, c'est est-ce que ces nouveaux emplois seront à la hauteur des destructions d'emplois qui peuvent être créées par l'intelligence artificielle. En tout cas, tous nos métiers vont être bousculés. Que l'on parle du front office, c'est-à-dire de la souscription, que l'on parle de la lutte anti-fraude, de la gestion de sinistres, du marketing, enfin... Il n'y a pas un métier du monde de l'assurance qui ne va pas être impacté par la révolution numérique. Alors il faut nous y préparer activement. Bon, cette matinée répond à cet objectif. Et voilà, elle sera aussi un peu ce que nous en ferons. Et est-ce que nous serons avant tout obsédés par des gains de productivité ou est-ce qu'on en profitera aussi pour enrichir les tâches de nos collaborateurs? Alors après, évidemment, tout n'est pas facile, on est dans la compétition du monde des entreprises d'assurance, aussi de nouveaux barbares qui peuvent venir à nos portes, venir sur nos territoires, les comparateurs d'assurance sur Internet, ou de nouveaux acteurs qui peuvent souhaiter arriver sur le monde de l'assurance. Donc voilà, tout ça sera très complexe et sans doute très, très compétitif, concurrentiel. Et bon, voilà, on essaiera de faire au mieux avec, comme toujours, une seule préoccupation, le service à nos assurés. Merci pour cette matinée qui était vraiment riche d'échanges et merci de votre attention.